femme de Balthazar a fait comment, les gars? S'il vous plaît, parlez un peu vite, je suis pressée. Hey, chers hommes, vous voyez donc qu'on vous laisse seulement souvent. Hein? Quand on vous dit que ce que l'homme peut faire, la femme peut faire ça 145 000 fois différentes, vous refusez. C'est-à-dire que façon pour la femme fait mal là, j'espère que beaucoup d'hommes ont vu et compris pourquoi pour la femme fait mal. C'est-à-dire que pendant qu'on est en train de charger le punk de Langa comme ça là, Langa, c'est les litres d'eau. Sûr que même Balthazar lui-même n'a même jamais vu la quantité d'eau là dans sa vie, elle sa go. Tellement il était occupé à gérer les 400 autres, les 500 autres à gauche, à droite, partout dans ses voyages d'affaires. Entre temps, qu'on dit aussi que le chocolat croque, le chocolat noir, on aime beaucoup le chocolat noir par rapport au chocolat blanc, les gens ne comprennent pas. Tu vois d'abord un chocolat bien barbu, voilà, dès que la trappe, la maintenant, où sont tous ceux qui disaient que wow, wow, voilà pourquoi les femmes suivent pas. Bon, maintenant, les femmes étaient là en train de suivre Balthazar comme ça, alors que la chérie Coco de Balthazar, elle m'a surtout été en train de suivre un autre Balthazouka. Maintenant, on dit que c'est une seule vidéo qui a fuité comme ça. Qui sait ce qui est arrivé derrière? Tonton Baltou. Et ceux qui avaient pitié de la femme que vous, elle a pris le scandale aussi sur les réseaux sociaux. Maintenant, non, nous tous, on va devenir des tchons. Moi, elle dit aujourd'hui que non. On va se tchoniser. On va se balthazariser. C'est le plus fort qui va gagner seulement. Ou bien le plus intelligent. Ou bien le plus jongleur. C'est-à-dire qu'on est là comme ça seulement pour cacher nos secondes vies à gauche, à droite. Alors qu'en réalité, vous voyez donc que c'est deux époux qui se sont, deux personnes qui se sont bien trouvées. Ils sont aussi mariés là seulement pour qu'on dise que mon mari, pour qu'on dise que ma femme. Alors que dans le fond, hein, chacun bon nyok, c'est ça, pas à côté. Proprement propre. Nyak! Balthazar était celui qui était le chef, il était fort. Maintenant qu'il voit Boussanka comme ça là, il dit quoi? Mais bon, en tout cas. Moi, je crois que l'affaire, ce n'est pas simple. Je continue de croire que ce n'est pas simple. Parce que c'est généralement ce qui se passe dans le monde des riches. Là. Tu vois, tu vas entendre que tel angle m'y avait tel, tel angle m'y avait tel. La femme de tel angle m'y avait le mari de tel. Le mari de tel s'est monté, s'est descendu et tout. Tu te demandes, mais pourquoi en fait? Pourquoi, genre, ta femme, tes amis, avec tes amis, tes collègues, tes supérieurs, tes inférieurs, même le gardien, le chauffeur, tout. C'est eux qui passent le temps à dire que les femmes qui sont, que les filles comme Diana, ne prend pas balle perdue, mais que les filles comme Diana Bouli là. Vous avez compris maintenant, non? Parfois, c'est les filles comme Diana Bouli là qui sont les plus saintes. Mais comme elle porte la bien montre, tout vous dit que oh, voilà, vous avez maintenant vu le travail de celles qui portent la veste chaque jour, non? De celles qui partent s'asseoir dans les grands bureaux, on vient les appeler madame jusqu'à ce qu'on se couche par terre, non? Tu viens l'appeler madame comme ça là, et tu passes avec ton chéri, elle voit, non? Elle voit que c'est ton chéri et son genre, elle a le propre, oui! Tu vois, c'est là, tu comprends beaucoup, pourquoi beaucoup n'ont pas S. C'est de ça qu'il s'agit. En tout cas, maintenant, c'est la plus intelligente ou le plus intelligent qui gagne. On se met ensemble, oui. Si je vois mon goût, j'allume. Tu vois ton goût, tu allumes. Tant qu'on se respecte, personne ne voit pour l'autre. C'est ça qui est ça. C'est vous qui avez commencé, non? Oui, c'est bien. Une femme peut laisser son homme pour aller faire mémé avec un autre G-man. Mais sachez qu'il y a des fonds du mariage que personne ne peut comprendre. Il faut seulement la personne qui vit la situation pour mieux comprendre. Il y a des couples ici dehors que vous les voyez vivre dans un... Vous dites qu'elle est encore mariée. Or, ils sont séparés du corps depuis. Que depuis même 4 ans, 5 ans. Son homme ne lui touche même pas que mamie, on fait comment? Que les deux sont là comme ça, là, juste pour les yeux des gens. Peut-être pour des projets qui sont en cours. Mais ils sont séparés. De corps. Je dis qu'ils sont dans la maison, même maison, mais ils sont séparés. Mais en fait, la femme ne peut pas aussi rester comme ça sans vivre. Moi, je vous dis toujours, la femme ne part pas dehors pour rien. La femme ne part pas dehors. Rien ne justifie le fait qu'une femme part dehors. Mais si la femme part dehors, c'est pour quelque chose. Et quand la femme part dehors, ça veut dire que le divorce n'est plus loin. Parce que la femme part dehors avec le cœur. Or, l'homme part dehors avec la tête. L'homme part dehors avec la tête. Quand vous vivez avec vos femmes, prenez soin de la rassurer que ma chérie, je suis là. Il n'est pas toujours question de bazooka. Parce que j'entends certaines personnes dire que non, c'est parce que Bertrand n'avait pas un bon bazooka pour bien cogner qu'elle est partie donner à Balthazar qui avait un baramine 255. Laissez-moi vous dire que ce n'est pas toujours ça. Parce que tu peux même être en couple avec quelqu'un qu'au départ, il avait un bon bazooka. Il assurait bien. Mais avec le temps, les problèmes dans le couple, les situations que vous rencontrez, ça fait même quand tu touches le bazooka là, ça ne bouge pas. Parce que tellement le stress, les problèmes, les responsabilités du foyer, ça c'est dans la tête de l'homme qu'il n'arrive même pas à te toucher quand. Donc il est affaibli mentalement. Moralement, il n'a même pas le courage même de faire. Même chose pour la femme. Il y a des femmes quand elles disent à leurs hommes que je suis fatiguée, ça ne veut pas tout vous dire qu'elle est partie faire mais pas faire un autre. Ça veut dire qu'elle a peut-être des problèmes de la scolarité des enfants, la ration, même qu'on ne rationne plus, tellement elle réfléchit que le petit agent que si que j'ai, est-ce que demain il va aller au marché, demain faire les courses, ça va suffire. Ça la stresse, ça fait, n'a pas le moral même pour faire mimier. Même le mimier là, il faut avoir le moral pour le faire. Mais ça ne veut pas dire que si tu n'arrives pas à avoir le moral à faire ton homme à la maison, tu vas partir dehors. Mais il faut être marié pour comprendre tous ces contours-là. Voilà, tous ces contours. La pression, d'autres même tu es à la maison avec ton homme, tout va bien. Mais la pression de la belle famille te fait n'est pas être dans ta peau. C'est tous ces contours-là.
Dames et messieurs, je suis bel et bien, comme vous constatez, chez le docteur Moringa. Parce que moi, je suis quelqu'un, je me rassure toujours chaque fois que je suis en forme. Donc, je suis venu faire mon bilan de santé et voici ça. On a détecté que j'avais des petits bobos. Voilà, donc rapproche la caméra, mon frère. Regarde ce qui sort de mon corps. Ça, c'est comme ça l'alcool. Il est en train de m'interdire de ne même plus boire les bières. Ça, c'est les déchets qui étaient dans mon organisme. Donc, vous que le connaissez déjà, le naturopathe docteur Moringa. Est-ce que tu peux parler en quelques mots rapidement tes services? Oui, approche la caméra. Je suis monsieur Takuke Mathieu, dit docteur Moringa. Alors, je suis chercheur multidimensionnel. Alors, notre frère est venu pour son bilan de santé. Et quand un patient vient me voir, il a des problèmes de santé, c'est moi qui lui ai dit, voilà, après un bilan de santé, je lui dis, voilà comment fonctionne le cœur, le foie, les reins, le cerveau, l'appareil génital, tout le spermatozoïde, les trompes, les ovaires chez la femme. Et voilà, quand je fais cela, je lui dis, voilà, vous avez tel problème à tel endroit, et je soigne facilement. Quand on a des problèmes de myome, de fibromes, de kyste, de cancer, trouble de fluide, d'infertilité, de manque de sperme ou de manque de sperme, de diabète, d'hypertension, hépatite A, hépatite A, hépatite B. Et voilà, et parlant de l'hépatite B, je viens d'avoir un contrat avec le ministère de la recherche scientifique où nous avons été sélectionnés minutieusement parmi les naturopathes du centre. On a vu que nous soignons sérieusement l'hépatite B. J'ai été sélectionné pour soigner l'hépatite B. Alors, quand quelqu'un vient avec son test positif d'hépatite B, je confirme que j'ai vu un test d'hépatite B et je l'envoie vers le ministère de la recherche scientifique. On lui fait tous les examens, du test simple à la charge virale. C'est des examens qui coûtent généralement des centaines de milliers. Alors on lui fait tout cela gratuitement. Quand la personne retourne vers moi, je lui fais les traitements à 30 000 francs le mois. Pendant 3 mois, ça veut dire 90 000 francs. Alors que c'était un traitement que je fais généralement à 67 500 francs. C'est une promotion pour le ministère de la Chasse à l'Ancien avec nous pour confirmer le travail que nous faisons sur le terrain depuis des années. Alors donc, tous vos problèmes de santé, venez nous voir si vous ne serez pas dessus. Je consulte à Mangui le lundi, à Omnisport le mercredi et à Mendon le vendredi. Je crois que dans la vie de vous, je soigne les gens dans tout le monde entier. Merci. Très bien. Il ne vous reste qu'à consulter le docteur Moringa. Ou bien, continuez à boire les bières, marcher dès que vous êtes en santé. Le jour que vous avez fait le bilan de santé comme ça, comme moi, vous allez confirmer que nous sommes des cadavres ambulants. Voilà tout ce qui sort de mon corps, mon frère. On dit souvent qu'un homme bien portant est un malade qui s'ignore. Franco ne savait pas qu'il avait tant de déchets dans le corps. Après une séance de désintoxication, voilà le résultat.